premier candidat, M. Dylan De René. Vous avez la parole, monsieur. Mesdames et messieurs les membres du comité de direction du groupe Algorisk, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. En raison du contexte exceptionnel lié à la crise sanitaire, le conflit ukrainien et l'explosion corrélative des coûts liés aux variations du prix de l'énergie, vous avez fait appel à l'expertise du service juridique du groupe afin de répondre à vos interrogations relatives aux relations commerciales avec vos partenaires commerciaux. Pour rappel, votre entreprise intervient dans le secteur des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, de l'automobile et de l'énergie. En raison de la qualité de vos produits, il conviendrait également de préciser que votre activité semble dépendre des flux d'approvisionnement en matériaux rares. Il est donc important de préserver un abonnement stable afin de préserver le cycle de production. Dans ce contexte, ont été apportées à l'ordre du jour les problématiques suivantes. Tout d'abord, nous allons aborder la problématique numéro 1 relative aux fournisseurs du groupe Algorisk, lesquels menacent le groupe d'une rupture d'approvisionnement. Cette problématique a été transmise par le service achat du groupe, lequel nous a communiqué les motifs invoqués par les fournisseurs. Tout d'abord, en motif numéro 1, l'augmentation des coûts des matières premières rendrait excessivement onéreuse l'exécution du contrat. Il conviendrait de rappeler que les fournisseurs et le groupe Algorisk nouent des relations contractuelles ne comportant pas de clause de révision de prix. En l'absence d'une telle clause, les fournisseurs ne peuvent effectivement pas se prévaloir d'une renégociation contractuelle sans intervention d'une autorité judiciaire. Par ailleurs, il ne semble pas ressortir des relations contractuelles, à défaut de précision, que nous ayons renoncé réciproquement à l'imprévision. En ce sens, les fournisseurs pourraient, à tout le moins, recourir au régime légal de l'imprévision en se fondant sur l'article 1195 du Code civil. Toutefois, pour bénéficier de ce régime légal, il convient de respecter deux conditions. La première étant que l'imprévision est subordonnée à un changement de circonstances imprévisibles apprécié au jour de la conclusion du contrat, qui rend l'exécution excessivement onéreuse, ce qui crée à la fois un déséquilibre excessif dans les relations contractuelles. En l'espèce, eu égard aux circonstances exceptionnelles actuelles, les difficultés d'approvisionnement résultant de la crise ukrainienne peuvent justifier la renégociation du contrat pour hausse significative des coûts des matières premières en se fondant sur le mécanisme légal d'imprévision contractuelle. En toute hypothèse, les fournisseurs ne pourraient pas suspendre l'exécution du contrat. Sur ces motifs, toutefois, ils pourraient se prévaloir de ce régime d'imprévision, lequel est opéré tout d'abord par une phase de renégociation, puis par l'intervention du juge, le cas échéant. Nous proposons d'ouvrir une période de renégociation à l'amiable afin d'éviter le recours à l'intervention du juge. Cette solution, plutôt rapide et amiable, permettrait de remédier aux difficultés d'approvisionnement et de poursuivre la production de votre entreprise. À l'avenir, nous pourrions préciser dans les contrats des clauses de révision du prix intervenant en cas de survenance d'événements spécifiques afin de ne pas perturber le cycle de production. En motif numéro 2 invoqué par les fournisseurs dans le cadre de la rupture du contrat les liant avec le groupe, ceux-ci estiment être en infraction avec l'interdiction de vente à perte. Tout d'abord, la vente à perte ne semble pas constituer un délit visé par l'article L442-2 du Code du commerce, lequel vise le délit de revente à perte ou d'annonce publicitaire de revente à perte. En cas de commission d'un tel délit, l'amende peut s'élever jusqu'à 375 000 euros pour une personne morale. En soi, vous pouvez être rassuré sur ce point, puisque l'hypothèse de la vente à perte n'est pas en soi directement concernée par ce délit.
En revanche, la vente à perte pourrait être sanctionnée, par d'autres pratiques anticoncurrentielles. Dans ce cas, il conviendrait d'apporter une vigilance certaine sur les prix pratiqués. Ces derniers ne doivent pas être considérés comme abusivement bas, par rapport aux coûts de production. Ni être dans le but d'évincer d'autres entreprises du marché afin de porter atteinte à la concurrence. Et il ne faut également pas pratiquer des prix prédateurs, notamment effectuer ce genre de pratique afin d'évincer les concurrents. Cette pratique est analysée par l'intermédiaire d'un faisceau d'indices, durée de la pratique, possibilité pour l'entreprise de récupérer les pertes initiales. Toutefois, la conjoncture économique exceptionnelle permettrait également de motiver une telle politique de baisse des prix. Enfin, les fournisseurs sont-ils en mesure d'invoquer la force majeure afin de rompre leur relation contractuelle avec l'entreprise ? En invoquant la force majeure, sous réserve que les conditions cumulatives soient remplies, les fournisseurs pourraient surseoir à leur obligation d'approvisionnement, voire procéder à la résolution de plein droit du contrat dès lors que celles-ci sont réunies. En principe, tout événement empêchant une partie à un contrat d'exécuter ses obligations peut être qualifié de force majeure, sous réserve de trois conditions. Tout d'abord, cet événement doit échapper au contrôle de la partie qui ne peut plus exécuter ses obligations, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un événement indépendant de sa volonté. Ensuite, cet événement doit avoir été raisonnablement imprévisible lors de la conclusion du contrat. Cet événement, enfin, doit être irrésistible lors de l'exécution du contrat, c'est-à-dire que la continuité du contrat est impossible. En toute hypothèse, lorsque la force majeure est invoquée, si l'événement est considéré comme temporaire, une partie peut simplement suspendre ses obligations vis-à-vis de l'autre co-contractant. Dans le cas contraire, si l'événement est définitif, on pourrait invoquer la résolution du contrat de plein droit. En l'espèce, la force majeure ne semble pas pouvoir être invoquée lorsque l'exécution de l'obligation est rendue simplement excessivement onéreuse pour l'une des parties. En se fondant sur ce motif, les fournisseurs ne pourraient pas interrompre le contrat. Ils pourraient toutefois invoquer l'imprévision telle que vue précédemment. Par conséquent, les fournisseurs ne pourraient pas invoquer la force majeure. En revanche, si un fournisseur se fonde sur un autre motif, elle pourrait potentiellement s'en prévaloir. Dans ce cas, les fournisseurs pourraient simplement suspendre l'approvisionnement jusqu'à ce que la fin de l'événement rendant l'exécution de l'obligation soit de nouveau possible. En revanche, il ne semble pas avoir lieu d'invoquer une rupture du contrat au motif que les circonstances extérieures ne semblent pas, à notre sens, définitives. Enfin, vous avez consulté le service juridique au titre de la clause suivante. Après lecture de la clause, nous vous proposons une analyse de cette clause. Le contrat est révisable à tout moment par voie d'avenant écrit et signé par chacune des parties. La partie fournisseur accepte les risques liés à un événement imprévisible à la conclusion du contrat, rendant excessivement onéreuse l'exécution de la convention. Tout d'abord, le caractère supplétif du régime de l'imprévision prévu par l'article 1195 du Code civil n'interdit pas aux parties de convenir d'une limitation ou d'une renonciation au régime de l'imprévision et d'encadrer également la phase de négociation. Toutefois, la rédaction de cette clause ne semble pas claire en ce qu'elle propose par voie de négociation, acceptée par les parties, une révision du contrat global incluant également une révision du prix dans son alinéa 1 et prévoit en parallèle l'exécution d'une révision du prix pour imprévision en son alinéa 2, puisque la partie fournisseur accepte les risques. En ce sens, il pourrait être proposé la clause suivante. Chacune des parties déclare, compte tenu de la période de négociation ayant précédé la conclusion de la présente convention, qui lui a permis de s'engager en toute connaissance de cause, renoncer expressément à se prévaloir des dispositions de l'article 1195 du Code civil et du régime de l'imprévision qui y est prévu, s'engageant à assumer ses obligations, même si l'équilibre contractuel se trouve bouleversé
par des circonstances qui étaient imprévisibles lors de la conclusion du contrat, quand bien même leur exécution s'avérait excessivement onéreuse et à en supporter toutes les conséquences économiques et financières. Nous avons également relevé, en dernier point, l'incapacité de certains prestataires à respecter les contrats d'approvisionnement dans les délais requis, et également une certaine hostilité, parfois agressive, manifestée à l'égard de votre service d'achat. Dans ce cadre, le comité a proposé une clause comportant les éléments suivants. Une durée initiale de 1 an, il s'agit d'un contrat à durée déterminée de 1 an à compter de la conclusion du contrat, une reconduction possible du contrat sur option de l'une des parties dans les mêmes conditions, au moins 6 mois, formulé au moins 6 mois avant l'arrivée du terme de la période initiale. Toutefois, une partie peut librement s'y opposer. Dans ce cadre, ce refus ne pourra pas être indemnisé et ne sera pas constitutif d'une faute. J'aimerais faire une précision, tout d'abord, à cet égard. La première précision est que la rédaction d'un contrat à durée déterminée engage nécessairement à une certaine dépendance. Or, vous aviez indiqué dans votre proposition que vous ne souhaitiez pas nécessairement être engagé sur le long terme avec des partenaires pouvant s'avérer hostiles à l'égard de votre service d'achat. La précision numéro 2 est en fait, le contrat n'est pas renouvelable par tacite reconduction et le refus du fournisseur n'est pas constitutif d'une faute sans indemnité. Dans l'hypothèse où la relation commerciale serait opérationnelle, le fournisseur essentiel à la production de l'entreprise pourrait, en toute hypothèse, au bout d'un an, trouver également une autre entreprise, puisque celui-ci serait libre de refuser la reconduction du contrat. Dans l'intérêt de l'entreprise, nous vous proposons ainsi la rédaction d'un contrat à durée déterminée d'au moins 3 ans, renouvelable par tacite reconduction, et susceptible d'être reconduit dans les mêmes conditions et la même durée. Nous pouvons également formuler une résiliation possible avec préavis 6 mois avant l'échéance du terme, une clause résolutoire en cas de non-respect des délais d'approvisionnement requis, et éventuellement l'insertion d'une clause pénale dont l'objet est certain afin d'indemniser la perte d'exploitation subie, cela, au titre des retards du fait des prestataires. Cela a pour effet d'assurer, d'une part, la continuité de l'exploitation dans ce contexte économique et de préserver une relation contractuelle stable au titre de laquelle il a été instauré des stipulations préventives d'inexécution contractuelle. Enfin, nous allons aborder le dernier point à cet ordre du jour, qui est la dernière difficulté évoquée portant sur un contrat de fourniture de composants électroniques signé en juin 2022 par le directeur des achats, M. Demant. En raison des difficultés d'approvisionnement, le directeur des achats a conclu un contrat de fourniture en juin 2022 sur la zone EMA comportant la clause suivante. Le fournisseur s'engage à adopter des pratiques conformes au code de conduite et d'éthique d'Algorisk et à veiller à ce qu'il soit mis en œuvre par les sous-traitants. Le fournisseur reconnaît qu'Algorisk s'engage à éliminer toute forme de travail forcé et obligatoire. Par la présente, le fournisseur donne son accord pour soutenir l'engagement d'Algorisk. Toutefois, le fournisseur ne semble pas respecter ses engagements contractuels. En effet, il relève des conditions de travail non conformes aux dispositions du Code du travail applicables en droit français. On pourrait constater à la fois que les salariés travaillent dans les conditions suivantes. 12 heures par jour de travail, aucun jour de repos hebdomadaire, sans eau, avec une chaleur étouffante. Compte tenu de ces éléments, la responsabilité du sous-traitant peut-elle être engagée ? Dans l'hypothèse où le règlement intérieur de la société serait annexé au contrat et que celui-ci formerait un tout indivisible avec ce dernier, la responsabilité contractuelle du sous-traitant pourrait être engagée sur ce point. Et également, on pourrait envisager d'engager la responsabilité délictuelle du sous-traitant puisque
par la mise en place de telles conditions de travail, il pourrait supposer que celui-ci porte atteinte à la réputation de l'entreprise. Monsieur, je suis obligé de vous interrompre. Le temps qui vous était imparti est expiré. Merci. Mesdames, messieurs, est-ce que vous avez des questions à poser à notre candidat ? Vous étiez en train d'évoquer... Monsieur, merci pour votre intervention devant notre comité exécutif. Vous étiez en train d'évoquer notre comité de direction, pardon, depuis qu'on a changé de nom, j'oublie toujours. Vous étiez en train d'évoquer la responsabilité contractuelle et délictuelle en même temps ? Pas sur les mêmes fondements, du coup. Je m'explique. Pour la responsabilité... Je ne suis pas en train de vous donner le temps que vous n'avez pas su parfaitement exploiter, hein, mais en une phrase, parce que notre comité, vous comprenez, un certain nombre de sujets à traiter aujourd'hui. Je comprends. La responsabilité contractuelle est engagée au motif que le co-contractant ne respecte pas ses obligations contractuelles à l'égard de la société. Attendez, je vais vous embêter, mais je ne veux pas un cours. Je voudrais comprendre quel préjudice on est en train de faire réparer, sur quelle responsabilité ? Pour la responsabilité contractuelle, on répare le préjudice de l'inexécution contractuelle. Pour la responsabilité délictuelle, on répare le préjudice causé à la réputation de la société qui, lui, est distinct de la relation contractuelle établie avec le co-contractant. Ce n'est pas une suite, quand même, ça, de la mauvaise exécution de notre relation contractuelle ? Il n'est pas indiqué dans le contrat que le sous-traitant a l'obligation de préserver la réputation de l'entreprise pour laquelle il travaille. Ouais, mais ce n'est pas un préjudice prévisible quand on contracte avec notre société Algorisque qu'on a une image et que tout ce que vous ferez vis-à-vis en tant que sous-traitant, tout comportement préjudiciable connu des tiers, et puis avec aujourd'hui en plus les réseaux sociaux, ce n'est pas une évidence que c'est un préjudice qui est dans la lignée, qui est dans le périmètre de l'inexécution contractuelle. Au moins l'exécution de bonne foi. On considère que ce n'est pas de bonne foi. On pourrait effectivement considérer qu'il s'agit d'un ensemble d'obligations implicites émanant du contrat reliant les deux parties. Néanmoins, le fait de porter atteinte à la réputation de la société lui cause un préjudice qui, en soi, est distinct clairement des dispositions applicables dans ce contrat. On pourrait essayer, à tout le moins, d'engager sa responsabilité délictuelle en parallèle de sa responsabilité contractuelle. Le fameux principe de cumul des responsabilités. Donc. Bien. Vous n'avez pas pensé un instant au droit de devoir de vigilance de la loi de 2017, parce qu'on a un sous-traitant qui est en Afrique, donc vous évoquez le droit du travail, mais c'est le droit du travail africain, je ne sais pas de quel état, mais le fameux, parce que le devoir de vigilance qui a été abordé indirectement, la jurisprudence avant que la loi n'intervienne en 2017, pouvait s'appuyer sur l'exécution de bonne ou de mauvaise foi. On considérait que exécuter dans des conditions pareilles un travail, c'était une exécution de mauvaise foi contractuelle. Est-ce que vous pourriez nous donner des éléments permettant justement de nous prémunir contre ce genre de risque lié au dernier ordre du jour ? Est-ce que vous pouvez nous proposer un certain dispositif qui permettrait donc au groupe de se prémunir contre ce genre de déconvenu qui risque de mettre en péril la réputation de l'entreprise ? On pourrait mettre en place, par exemple, un lanceur d'alerte, lequel serait chargé de remonter auprès du comité de direction toutes les informations liées aux conditions de travail en Afrique. Également, ce lanceur d'alerte ou ces lanceurs d'alerte pourraient, au-delà des conditions de travail, également développer une certaine alerte sur les aspects financiers également. On aurait donc plusieurs lanceurs d'alerte qui pourraient prémunir, à titre préventif, des conditions de travail de tels salariés. Ces lanceurs d'alerte seraient où exactement et ce serait qui en particulier ? En principe, il me semble que toute personne physique
membre du personnel de l'entreprise peut être désigné lanceur d'alerte. Vous prévoyez quand, où ça dans les contrats ou, parce que ça peut être considéré comme une disposition légale s'appliquant à toutes les sociétés couvertes par le dispositif de whistleblowing ou de lancement d'alerte. Vous le contractualiseriez dans le contrat, disant que chaque salarié du sous-traitant peut valablement donner des informations auprès du donneur d'ordre. On risquerait de ne pas contracter avec nous alors. Ce serait probable. Vous avez entendu parler des plans de vigilance ? Pour revenir à l'observation qui a été faite sur la loi sur le devoir de vigilance. Non. D'accord. Oui. Concernant le second point, si je comprends bien, vous nous recommandez pour protéger l'entreprise de conclure des contrats à durée déterminée de 3 ans et renouvelables. Donc ça nous mettrait à l'abri dès lors qu'on pourrait rompre la relation à la fin du contrat de tout risque lors de la rupture du contrat, du non-renouvellement du contrat ? Pas nécessairement. La rédaction que j'ai proposée me semblait plus pertinente par rapport au cas que celle proposée par le comité. Pour quelle raison ? Au motif que, premièrement, la rédaction de la clause permettait à chaque contractant de rompre son contrat sans indemnité et sans constituer une faute. On n'aurait donc pas de responsabilité contractuelle et le co-contractant serait libre de se désengager et de rompre sa relation contractuelle avec la société lorsqu'il respecte sa demande dans les termes convenus. Et nous également alors ? On pourrait rompre sans engager notre responsabilité, sans avoir rien à payer à la fin du contrat ? Est-ce que seules les dispositions du contrat s'imposeraient ou est-ce qu'on doit prendre d'autres éléments en considération ? Il y a également le délai raisonnable à prendre en considération et il ne faut pas que la relation contractuelle soit rompue de façon abusive, puisqu'il s'agit d'un CDD. D'accord. Et la durée de la relation contractuelle, si c'est un prestataire avec lequel on a en relation depuis 10 ans par exemple, est-ce qu'on doit le prendre en considération ? Dans l'hypothèse où on aurait renouvelé la relation contractuelle pendant 10 années de suite, suite à l'exercice de l'option, on pourrait considérer éventuellement que la rupture ne serait pas abusive si elle est effectuée dans les délais indiqués dans le contrat. D'accord, donc le délai du contrat suffit et c'est la seule chose que je regarde en termes de préavis de rupture. Si on se réfère aux dispositions du Code du travail, je dirais que non. Toutefois, il s'agit de relations commerciales et les relations contractuelles sont définies librement par les parties. Le contrat est un acte de prévention et contracter, c'est prévoir. Partant de ce constat, on peut considérer que le contrat équivaut à la loi des parties en vertu de la force obligatoire et on devrait se référer uniquement aux dispositions du contrat. D'accord. Vous avez pu discerner dans l'exposé, j'avoue que moi je n'y suis pas arrivé, le point de savoir si c'est une relation purement contractuelle due à des reconductions d'un contrat, ou c'est, à force de reconduction, ce n'est pas devenu une relation commerciale établie. Et quel serait l'intérêt de la distinction en termes de responsabilité déjà ? Pourriez-vous reformuler votre question s'il vous plaît ? Vous avez moins de 2 minutes pour me répondre. Autant pour moi. C'est que normalement, la rupture d'une relation établie est sanctionnée par une responsabilité non contractuelle, extra-contractuelle. Donc on a l'impression que si c'est une relation établie, la proposition que va faire votre service ce sera de faire retomber dans l'ordre contractuel ce qui ne l'était plus ou pas. Ce qui limiterait les cas de responsabilité, effectivement, d'un point de vue, dans un sens contraire à l'intérêt de l'entreprise. Il reste quelques secondes. Est-ce que vous avez des questions à poser, madame ? Bien, on va vous remercier, monsieur. Merci. Je vous remercie pour cette opportunité.